Tourlou. Bon matin, on est dimanche le 25 avril. J'ai super bien dormi, mais je me sens encore fatiguée le matin. Mais ça doit être parce que j'ai trop bien dormi. J'ai vraiment bien dormi finalement. C'est ça, comme c'est là, il mouille pas, mais c'est pas le gros soleil. Il fait quand même, je pense, déjà 10 à 8h30. Fait que je sais pas tout ce qu'on va faire. Mais je sais que j'ai trouvé plus mon énergie, par exemple. T'sais, je me sens moins bof là. Fait que. On va voir ça de la journée. Je vais vous montrer Katia. Katou est là! Katou est là! Allô, Katou! Attends, va te prendre son gobelet avec ses céréales. Oui, tu vas dehors, ok. T'as, tu veux-tu? Oui. Regardez, hier, j'ai mis ses draps roses, hein? Puis, regarde, son lit est tout démanché. Ça veut dire que les draps, l'élastique, il doit plus bien tenir. Fait qu'elle va en remettre ses autres à poids. Hein, Katia? Quoi? Allô, toi? Qu'est-ce que tu faisais, celle-là, à coton et tout? Quand je prends un coton. Je sais pas. Là, je vais le voir. Tu dis-tu bonjour? Bonjour. Ouais, les caisses habillent toutes seules le matin. Je fais un beau kit. Mets ta bouche à la vaisselle à laver. OK? Vous ne le croirez pas, c'est déjà sur sa douillette. Il marquait vendredi le 29 avril. Puis je l'ai déjà. Regardez ça! On va l'installer, puis je vais vous leur montrer quoi installer. Mais d'après moi, ça va être vraiment beau! Hein, pour moi, ça va être beau, hein? Inquiète-toi, tu vas avoir une nouvelle douillette! Oui! Oui! Trop cool! Puis là, ben, c'est ça, il est déjà 11h. Je viens de faire une préparation de crêpes, un macaroni crème de champignons. Puis là, ben, c'est ça, je fais du lavage au travail, je lave les appareils, je l'ai tendue. Mais là, je vais aller m'entraîner, puis après, je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas si on va essayer d'aller marcher avant dîner. Mais puis, je pour dîner, on va manger des hot dogs barbecue. Puis la bâche de crêpes, j'ai fait ça pour demain, mettons. Je vais moins stresser, mettons, pour le temps du dîner, puis tout. Katia retourne à l'école, elle, demain. Fait que, ça, faut que je sorte sa boîte à lunch, préparer son lunch, préparer son sac d'école. Puis finalement, vendredi, normalement, elle n'avait pas d'école, parce que c'était la grève. Mais, ça a été suspendu. Fait qu'elle va aller à l'école vendredi, mardi. Je veux dire mardi. Fait qu'elle va aller à l'école toute la semaine, finalement. Sinon, normalement, il n'y allait pas mardi à cause de la grève. Mais, il n'y aura pas lieu. Puis Lucas, t'as-tu aimé ça dans les trous de bois? Oui. Regardez comment il est ça. Ça va de ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait y retourner? Je sais pas. Ou j'y vais tout seul. T'es seul? On est tout seul. Voilà. Ouais. Merci. Tu fais bébé d'amour à maman. Ouais. Ouais, t'as donné la main? Ouais. Yahoo. Yo!
T'es contente? Oh, t'es belle. Oui, t'es contente. Ouais, donne la main. On va donner des poussées. Youhou! Tu ris. T'es souris. Le Katia fait son petit repos dehors. Ouais. Allô, Katia! Allô! Elle était tellement de bonne humeur, là. Je sais pas si vous avez eu le temps de capter les beaux sourires qu'elle faisait dans l'auto. Ça longtemps, j'avais pas vu que c'était de même dans l'auto, il me semble. Une belle après-midi. C'était vraiment le fun d'aller marcher. Puis le cas était tout heureux de passer dans les trous de boîte. Il était sale après. Ça avait pas dans le même dans la face, là. Il était vraiment sale. Mais lui, il était vraiment content. Puis Katia, ben, aussi, elle s'est prise en poussette. Mais sur le coup, quand on l'a fait sortir, là, de la maison, elle a décidé de s'en aller en auto. Là, quand elle avait la poussette en avant, elle voulait plus, elle voulait rentrer dans la maison. Mais finalement, on a réussi à l'amener, là. Mais tu sais, c'est plus difficile quand même, parce qu'elle coopère pas. Mais un coup, dans la poussette, elle avait l'air bien contente, puis elle appréciait sa promenade, là. À cause que, au le chemin de terre, il y a comme des roches, puis ça faisait plus vibrer. Fait qu'elle aimait bien aimé sa promenade, puis après ça, c'est balancé dehors. Moi, tu as bien fait des hot dogs sur barbecue. C'était vraiment bon, là. Ils sont bons. Mais ça, c'est meilleur que les autres années. Je suis en train de me demander si c'est pas la cuisson à cause du barbecue que ça va mieux. Parce que là, me semble, dans les autres années, en fait ça, puis c'était pas bon de même, là. Parce que l'autre fois, on a mangé, puis c'était bon encore, là. Et Lucas, on a commencé quasiment à manger un au complet. Puis là, Katia, toi, il en a fait, parce qu'elle aime les hot dogs du Costco. Bon, il coupe tout un petit morceau devant son assiette, puis elle mange ça, c'est elle est drôle. Mais elle a pas tout mangé, là, mais il y en avait un au complet. Katia, elle a mangé des hot dogs! Katia! Fait que là, on prend une petite traite d'auto, puis mon chum, il y a la tout ce que j'ai, parce que Katia, elle avait plus de fromage. Il cherchait du fromage. On sait pas si on va en avoir le dimanche. D'habitude, c'est rare qu'il en reste. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, des pinottes. On avait plus de pinottes non plus. Puis, j'ai pas encore le temps d'essayer sa douillette. J'ai pas encore le temps. Peut-être bien, sinon, ça va être bien là demain. Elle sera pas là. Fait que je vais avoir le temps de faire son lit comme il faut. Sinon, ben, dans son lit. Puis, sinon, ben, on est parti avec. Fait que je peux pas être comme là à faire son lit. Hein, Katia? Vas-tu avoir ta nouvelle douillette? Bon, revenu du sujet. La manière du fromage, on était chanceux. On aime ça, les macarons au chocolat même. Puis les macarons, ils paraissent une pièce. Pour 4 ça dépend beaucoup, là. On rajoute du pesto là-dedans. Puis du fromage, des échalotes. Ça fait des bonnes pâtes. Ça nous dépend, elle aime ça. Le pot de pinot. 3,97 le gros pot. Mais le petit pot de pinot, il coûte le même prix que le gros. Puis ils font exprès, ils mettent les petits en avant. Pas que le monde soit tenté d'acheter les petits, mais le gros est vraiment le même prix que le petit. Ça donc, ça fait deux fois qu'on y va. Puis 3,97 le gros pot. Fait que si vous allez au Tigre Géant, portez attention à ça, vous allez voir. Dans le fond, le plus petit est le même prix que le gros. Hey, c'est ça, là, on est revenu. Puis Lucas, il était reparti. Il est parti faire du vélo. Donc on est allé le matin. Puis là, il revient à la course. Il dit, maman, il y a un fou dans la forêt. Puis là, ses amis étaient là aussi. Fait que là, mon chum puis le papa de leurs amis sont partis voir ça, là. Mon chum, il y en a un inspecteur. On comprend pas pourquoi il y avait un feu, pareil qu'il était quand même assez gros dans les arbres, là. On comprend pas trop. On comprend pas trop pourquoi, là. En tout cas, mon chum est allé voir, là. On va s'en voir plus après. Bon, fait que là, on s'en va dans le spa. Là, c'est ça, 14, ça fait deux fois aujourd'hui que ça accouche. Je sais pas, elle la déplace. Ça fait que là, à midi, c'est la banquette en dîner, on s'est ramassé avec un dégât de pipi à terre. Puis là, on la recharge, ça faisait pas longtemps, il y a 2 heures, là. Puis
Puis là, on voyait dans son lit, il y avait encore un placard. La couche était... Ça avait encore de sortir la couche, là. On a dit rendu là, ben on va aller dans le spa. Tant qu'il a pris de la chargeur dans le soulier. Fait que là, c'est pour ça qu'on s'en va dans le spa. Mon chum, il est déjà lavé. Le feu, finalement, c'est des petits jeunes qui avaient mis ça à la forêt. Fait que là, c'est ça, ils ont réussi à l'éteindre, puis ils ont mis de l'eau pour être sûr. Mais il paraît qu'ils se ramassent là. Il y avait une bonne gang, là. Il y avait beaucoup d'adultes, là. Puis, fait que ça, c'était des petits enfants que. L'avait mis, puis là, une maman venait de se rendre compte, puis elle s'est rendue compte en plus qu'il avait été prendre dans les torts, en tout cas. Fait que c'est ça, les mauvais coups des petits garçons. Fait que là, c'est tout est réglé, là, mais. Mais c'est ça, on s'en va dans le sport. Tu chantes! Oh! Touche pas. Enlève son maillot, garde la belle crotte qui tombe. Elle l'envoie dans son lit, mettre sa couche. Elle fait pipi traite au moment où je vais mettre sa couche. Dans le lit. Mmh. Ah, mais t'es tannante. Ça va te tasser les dégâts aujourd'hui, mmh. Katia, là. Hein? Il me semble qu'on en a fait beaucoup, là, aujourd'hui. Mmh. Ouais. Ouais. En plus, il mouillait dans le spa. Faudrait que je m'entraîne. Puis en vrai, j'ai plus l'énergie de m'entraîner. Ah, oh, allez, c'est pour vous dire, ça fait déjà 4 brassées de lavage. 4 brosses de lavage que je fais aujourd'hui. Puis hier, j'en ai fait aussi, je pense, 3 ou 4. C'est fou le lavage que j'ai à faire, ça n'a même pas de bon sens. Puis là, c'est ça, je me sens mal. Là, je sais pas, je vais regretter de vous avoir montré le caca à Katia quand il a sorti du spa. Mais j'ai réalisé que le but de. Quand j'ai parti la chaîne YouTube. Hey, en passant, ça va faire 4 ans. J'avais parti ça fin avril, fait que, il me semble que c'était le 29. Hey, ça va faire 4 ans, là, c'est pas drôle. Puis quand j'avais parti ma chaîne, c'était en vue de conscientiser les gens à vivre avec la différence, voir ce que ça m'impliquait, puis une vie de famille avec un enfant lourdement handicapé, puis tu sais, c'était... sensibiliser les gens à ça. Mais dans le fond, tu sais, je vous montre pas les affaires négatives, c'est que je me dis pas correct non plus, tu sais, c'est... Je vous montrer la vie vraie avec Katia. Fait, tu sais, il y a des beaux moments, mais il y a des affaires plates, tu sais, que, c'est ça, qu'on va dans le spa, puis qu'on sort du spa, puis, ou quand il donne son bain, puis elle fait quelqu'un dans le bain, puis, fait que c'est ça, c'est. Fait que ça, c'est dans le but que vous voyez aussi vraiment la réalité, tu sais. C'est sûr qu'il y a plein de beaux moments avec Katia aussi, là. C'est pas ça que je dis, là, mais c'est comme, montrer le vrai, là, finalement. Tu sais, dans le fond, moi, c'est ça, c'était le but de quand j'ai parti ma chaîne YouTube, dans le fond. Bon, là, Katia est dans le bain. Elle a soupé, elle a mangé. Elle restait des pâtes hier qu'elle n'a pas mangé. Ma Kalina, là, qu'on avait faite avec. Là, j'ai lâché la trempette. Puis, en tout cas, elle a presque terminé, mais je donne des bouchées de temps en temps dans son bain. Est-ce qu'elle est rendue dans le bain? Elle prend son bain. Mon chum, il nous fait de la fondue pour souper. Moi, j'ai la bonne fondue. Ça va être bon parce qu'elle a gardé le temps. C'est vraiment un temps pluvieux. Pas si voyant, quoi. Mais là, je vais installer sa douillette. Je vous montre. Mais je pense que c'est plus beau l'autre. Je pense que son ancienne, ça fait quand même plus beau, là. Mais je vais vous montrer. Vous voyez, là. Fait que c'est ça. Je pense que j'aimais mieux l'autre. En tout cas. Peut-être que je suis pas habituée. Puis c'est ça, à ce côté-là. Je pourrais mettre tout ce rose-là, si je voudrais. Ouais, que c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que tout, elle est sortie du bain. Puis j'ai donné un de mes pyjamas. J'ai fait un ménage dans mes pyjamas, dans mon linge d'hiver tantôt. Puis j'ai dit, comme ça, il est très bien, Katou. Bon, ça, je suis allée de le mettre. Ah, j'ai accès jouer, tu es chouette. Hein, il a été joué. Ouais. On va se faire un pique-nique, Katou. Hein? On va faire un pique-nique. Fait
que là, on commence à faire les lunchs pour Catherine. La boîte à lunch est sortie. Fait que là, je vais faire son petit sac de fromage. C'est peanuts, tout tralala. Couche-toi, on va prier Catou. Couche-toi. Couche-toi sur l'oreiller, là. Bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit. Demain, tu vas aller à l'école. Hein? Bonne nuit. Bonne nuit, Catou. Bonne nuit. Ouais. Allez, casse-toi. Ouais. Bye bye. Bonne nuit.